Si l'on veut chercher une origine gabonaise à la profession d'avocat, il n'est pas déplacé de la trouver dans les instruments socioculturels mis en œuvre par nos sociétés traditionnelles. Le développement des formes juridiques dans le cadre des communautés ethniques et de leur ordre coutumier a permis de donner du sens à la vie des hommes, de la naissance à la mort. Chez les peuples miénés, le rôle et la fonction de l'okambi participait d'une charge d'avocat défendant des causes, assistant les familles ou les conseillers lors des cérémonies de fiançailles ou de mariage ou à l'occasion des décès ou toute autre forme de conflit, d'accusation, de reconnaissance d'un bon droit. Lors des palabres, ceux de la maîtrise de l'art oratoire, de la jurisprudence coutumière, de subtilité des us et coutumes n'étaient pas suffisantes. Ils se faisaient représenter par les maîtres de la parole dont la sagesse et le talent étaient reconnus par tous dans l'espace des communautés villageoises. Cet avocat défenseur de toutes les causes était un dignitaire des plus respectés, grâce à qui les liens collectifs restaient préservés dans les considérations de l'ordre établi et de sa légitimité. Dans ce domaine du droit coutumier et de ses principes, il résultait des sanctions quelquefois complexes et conflictuelles qui nécessitaient les bons offices de l'okambi. Les professions libérales en général et la profession d'avocat en particulier n'étaient ouvertes qu'à des personnes de nationalité française. L'on estimait en effet que les avocats défenseurs des droits étaient les officiers ministériels et selon un arrêté du gouverneur général, nul ne pouvait être officier sans être français. Dans l'arrêté du 11 mai 44, réglant les procédures civiles et commerciales en AEF, il était écrit à l'article 21 « Lorsque les parties ou l'une d'elles sont domiciliées hors le siège du tribunal ou de la justice de paix, la procédure sur mémoire peut être employée en matière civile et commerciale de l'article 37 du décret du 16 avril 1913. Or, cette disposition, reprise par l'article 54 du décret du 27 novembre 1947, était déjà influencée par l'arrêté général du gouverneur du 8 août 1933, instituant un corps d'avocats défenseurs près de la cour d'appel et les tribunaux de l'AF. Faisons un retour sur ce point de l'histoire. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de Gabonais. Il y avait juste Maître Abonjo, mais il était en prison. Les colons, ça s'arrête en 1960, et même avant 1960, parce que l'autonomie avait déjà été là. Le barreau du Gabon a été créé vers les années post-indépendance. Et il n'était spécialement, essentiellement constitué que d'avocats étrangers d'origine française. Et il s'agissait de Maître Courbin, de Maître Figuier et tant d'autres. Jusqu'à l'arrivée de Maître Agonjo, je pense vers les années 1963, Maître Pierre-Louis Agonjo-Kawe faisait un stage depuis 2 ans au cabinet de Maître Bredin à Paris. Lorsqu'un jour, sur la place des Champs-Élysées, il rencontre Maître Vanoni, avocat défenseur au Gabon, et lui confie son intention de rentrer travailler au pays. Cette proposition est acceptée par ce dernier, qui s'engage à le recevoir dans son étude. Maître Agonjo-Kawe arrive à Libreville le 10 août 1968 pour exercer son métier d'avocat. Cette année-là, s'acheva sans que ce vœu ne soit réalisé et c'est finalement en février 69 qu'il reçut son décret d'avocat, devenant ainsi le premier avocat du pays et plus tard le premier bâtonnier gabonais de l'ordre des avocats du Gabon. Maître Agonjo est arrivé ici en 1968. Il est arrivé en 1968 et quand je pense que la loi, l'ordonnance qui a créé et institué le barreau du Gabon est de 1972, il s'agit de savoir comment il a vécu de 68 à 72, parce que là, il était seul. Agonjo était quelqu'un qui avait une forte personnalité, qui maîtrisait tous les sujets qu'il accaparait. Ça a été le cas de la profession d'avocat. Je peux même vous dire que le bâtonnier Agonjo a été mon professeur à l'Université nationale du Gabon, car c'est ainsi que s'appelait l'Université du Gabon. Et il a été l'un de mes professeurs, je l'ai apprécié à l'époque, et je ne savais pas que je deviendrais un jour son confrère. Je commençais ma licence en droit à Lille, je l'ai trouvé là-bas à Lille.
avec sa femme qui avait été à l'école primaire avec moi. Bon, elle était plus âgée que moi, mais je les ai retrouvés là-bas. Donc c'était comme un grand frère. Et le week-end, j'allais manger chez eux. Bon, et par la suite, il est rentré ici et ça a toujours été très correct avec lui. Je l'ai bien connu, j'ai été membre du Conseil de l'Ordre sous son deuxième bâton. Et nous entretenions de très bonnes relations. Et c'est un homme de très grande valeur que nous avons perdu. Moi, je garde le souvenir du bâtonnier Mondjo, le souvenir d'un avocat. Je voudrais dire, bâtonnier Agondjo était un homme indépendant, libre. Et c'est très important quand on décide d'exercer cette profession. Il faut au départ être un homme libre. Maître Agondjo était un avocat bien formé. Il avait fait de brillantes études de droit. Moi, j'ai eu la chance aussi de le connaître comme enseignant parce qu'il m'a enseigné. Le bâtonnier Agondjo, par le biais de sa fille Nouti, qui est aujourd'hui également avocate, et c'est comme cela que je l'ai connu et il m'a demandé de venir, il a insisté, et c'est pourquoi je suis là. Maître Agondjo, c'est vraiment le prototype de personnalité qui se confondait pratiquement avec sa profession. C'était un homme d'action. J'ai connu Maître Agondjo, j'ai eu la chance de plaider en face de lui. Il était très confraternel. Il avait beaucoup de respect pour ses confrères, qu'ils soient jeunes ou anciens. Il est parti en étant bâtonnier en charge. Mais dans quel contexte, après une vingtaine d'années, il est revenu à la charge? Ben, nous étions en crise. Le baron du Gabon était en crise. Et lui aussi, il était malade. Il ne tenait plus. Nous sommes allés, le bâtonnier Maître Issembe et moi, nous sommes allés l'appeler au secours. Parce que nous sommes un ordre. Et c'était lui. Et le number one qui restait, nous sommes allés l'appeler au secours pour qu'il vienne sauver la maison commune qui se noyait. Et il a répondu positivement malgré son état. L'histoire du barreau gabonais doit beaucoup aux hommes et femmes qui se sont engagés dans cet office avec abnégation et dévouement et dont la mémoire reste vivace. Mais c'est à l'aune d'une réalité historique associée à la situation coloniale du Gabon que se sont constituées les règles instituant cette profession aujourd'hui. Un tel contexte a été déterminant dans la nomenclature juridique mise en place pour régir cette activité libérale, dont les textes d'organisation et de fonctionnement relèvent de l'ordonnance fondamentale de 1972. Autre texte dont le destin ne fit pas long feu, c'est celui de 1977 auquel se substitueront la loi de 85, puis celle de 2008. Quelques témoins de cette époque de mise en place du cadre réglementaire reviennent sur les temps forts de cette édification juridique. Malgré tous les problèmes que nous avons, toutes les difficultés que nous avons d'exister en tant que barreau national, nous avons eu toujours un regard bienveillant des autorités, bienveillant du président de la République, tout en étant tout à fait distant dans son rôle en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République ne s'est jamais mêlé des problèmes du barreau national. Le barreau du Gabon est un ordre donc professionnel qui comprend aujourd'hui une centaine de membres, donc un peu plus de 100 avocats. Et d'ailleurs, il va en avoir encore un peu plus puisqu'il y a une prestation de serment prévue très prochainement. Le barreau du Gabon vit essentiellement des cotisations de ses membres. En fait, chaque avocat a l'obligation de payer une cotisation qui tient compte de l'ancienneté dans la profession. Et donc, les taux varient selon qu'on est jeune ou ancien. Et c'est essentiellement ces cotisations qui permettent au barreau, alors des avocats, de vivre. Le barreau vit aussi dans un environnement
Et le barreau a contribué dans les mutations qui se font dans le pays, déjà depuis 1990. Certains avocats ont pris part à la conférence nationale. Donc le barreau est influencé par l'environnement, mais le barreau influence aussi cet environnement. L'année 2012 marque, à n'en point douter, la maturité du barreau gabonais. Les rapports y sont cordiaux et fraternels. Les liens se sont consolidés et affermis. La cordialité y a élu domicile. 40 ans de vie, c'est louable pour une institution qui est au cœur de la lutte pour son indépendance, la maîtrise de son tableau. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et ça n'a pas été facile pour le barreau du Gabon. Les 40 années de marche de Moïse, Jésus a également, les gens disent que c'est lorsqu'il a atteint 33 ans, mais non, c'est lorsqu'il a atteint 40 ans. Aujourd'hui, le pape conteste même la date de naissance de Jésus. Donc 40 ans est un chiffre important. 40 ans, c'est l'âge même de quand Mahomet, le prophète Mahomet, a pris les choses en main dans le cadre de sa mission. Donc 40 ans de barreau, le barreau est une institution. 40 ans, c'est un âge mûr. À 40 ans, je pense que le barreau gabonais a effectué une très longue marche avec des hauts et des bas, avec des combats justement. L'un des combats que le barreau gabonais a eu à mener, c'est celui de la maîtrise de son tableau. Les institutions sont comme les hommes. Elles naissent, elles grandissent avec des espoirs, avec des désespoirs, avec des hauts et des bas. Mais lorsqu'on arrive à maturité, à 40 ans, eh bien, lorsqu'on regarde le chemin parcouru, on se dit, j'ai grandi. Et donc, je peux encore espérer. Il est né, il a grandi, il est devenu jeune homme, et il est maintenant adulte. Si c'était un homme, il aurait fait des enfants. Et il en a quand même fait, puisque il compte actuellement une petite centaine de membres. Il est difficile de dire qu'on a atteint la maturité. Nous sommes plutôt dans un mouvement de maturation. Et je pense que c'est un âge très intéressant, mais à 40 ans, une institution est encore jeune. Elle a besoin certainement de se propulser aussi bien sur le plan humain, donc de ses ressources humaines, sur le plan de ses structures à parfaire, sur le plan de la formation de ses membres, à parfaire également, et sur le plan aussi des textes à réformer, à reformuler, à revisiter, pour les rendre beaucoup plus actuels et beaucoup plus pertinents pour embrasser tous les autres domaines à venir, je le pressens, et aller donc dans un ferment beaucoup plus dynamique de l'institution. Le barreau gabonais a vu sa naissance en 1972 et nous avons eu le premier bâtonnier, Maître Agondjiru, en 1976, pendant environ 8 ans. La formation est un volet important qui participe à l'efficacité de l'action menée au sein de cette institution. Ce qui explique que l'accent soit mis sur ce facteur de développement des compétences et de valorisation des expériences. Un avocat doit travailler. Et il n'a pas de dimanche, il n'a pas de week-end, il doit resserrer son savoir, il doit l'étendre davantage, il doit toucher à tout, mais aussi avoir ce que j'appelle moi une tasse de thé. C'est-à-dire qu'il est temps aujourd'hui qu'on ait des avocats spécialisés.
les avocats qui papillonnent, ce n'est pas toujours intéressant. Il est bon, même si nous avons cette tendance à la généralisation du savoir, il est bon que chaque avocat ait sa tasse de thé, comprenne qu'il peut effectivement s'endurcir dans un domaine précis et être l'un des meilleurs. Quand vous parlez formation, eh bien, vous interpellez la connaissance. La connaissance, il n'y a que les faux sachants qui ont la prétention de dire qu'ils sont savants et qui savent tout et qui n'ont plus rien à apprendre. Nous pensons, peut-être à tort, qu'elle doit être renouvelée, la connaissance. Ça veut dire que la formation chez nous, ce n'est pas seulement pour les avocats stagiaires, c'est une formation continue. C'est-à-dire, et bientôt va s'ouvrir à Libreville une école permanente inter-pays africain. Il y aura le Cameroun, le Tchad, Centrafrique, le Kinshasa, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, le Congo-Brazza, qui viendront, les avocats de ces pays viendront se former ici. Toujours dans ce souci d'unification et de consolidation du travail accompli, la maison de l'avocat a été mise en place pour servir de cadre de réflexion, d'échange et de coopération entre les membres de cette corporation. À quoi va servir la maison de l'avocat? Je reviens dessus. D'abord, informer le justiciable sur ses droits, sur les procédures qu'il faut suivre, et sur les avocats, parce que nous avons un tableau conçu par ordre d'arrivée. Nous le présentons au justiciable, libre à lui de choisir, à partir de ce tableau, qui il veut constituer. Le justiciable est au cœur des préoccupations quotidiennes des avocats. C'est la raison d'être de leur magistère. La relation indissociable entre l'avocat et son client est bénéfique à l'avancée des droits de la défense dans le système judiciaire gabonais. Le justiciable a ses droits. Le premier des droits en justice, c'est l'accès à la justice. C'est vrai que ce droit d'accès à la justice est très imbibé de, on va dire, de l'environnement dans lequel, n'est-ce pas, ce justiciable vit, mais aussi l'avocat, influencé aussi par l'environnement dans lequel il exerce sa profession. Toujours est-il qu'entre l'avocat et le justiciable gabonais, il y a une relation, oui, de confiance, on va l'affirmer, de confiance, peut-être mitigée aujourd'hui par le reflet aussi que la justice elle-même renvoie au public et à la société dans laquelle nous vivons. Les avocats et les magistrats se retrouvent dans un même environnement professionnel. Même si leurs rapports sont parfois conflictuels, les deux corps judiciaires sont obligés de s'entendre pour le bien de la justice. Ils regardent bien souvent dans la même direction, quels que soient les aléas auxquels leur cohabitation est soumise. Je souhaiterais vivement que les avocats et les magistrats, peu importe leur âge dans la profession, que nous nous retrouvions de temps en temps, que nous ayons des séances de travail, de critique, que nous nous disions dans notre famille des vérités. La sagesse recommande à chacun d'entre eux de contribuer au bien commun et au service offert par l'institution judiciaire, qui est une voie de concrétisation et d'avenir pour la démocratie. Voici là un plaidoyer pour un noble métier dont l'architecture doit rester liée au respect des droits de la défense et à l'égalité sociale des citoyens d'un État comme celui du Gabon. Il ne faut pas nier le fait que pour être avocat, il faut avoir eu une vocation. Je parle de vocation, pourquoi ? Parce que c'est la vocation qui fait la différence. Parce que vous rentrez dans le milieu des avocats, c'est la vocation qui va vous permettre de distinguer entre celui qui est arrivé par défaut. Je peux l'affirmer, ma petite expérience me permet de pouvoir affirmer qu'il y a des confrères qui au départ n'avaient pas voulu être avocat, mais qui se sont dirigés vers ce métier parce qu'ils n'ont pas pu trouver autre chose à faire. Il faut d'abord accepter d'être pauvre, matériellement parlant. Et mettre toujours au-dessus de tout la morale, l'honneur, être un homme d'honneur. Ce qu'il faut leur dire, s'ils
s'ils s'en sentent la vocation, qu'ils viennent. S'ils croient qu'il faut devenir avocat parce qu'ils ont vu des avocats américains à la télévision ou bien des avocats dans des films américains à la télévision ou des avocats français à la télévision, qu'ils se disent que la profession et l'exercice de la profession sont différents de ce qu'ils voient. Que l'intervention d'un avocat devant une juridiction pendant 5 ou 10 minutes, ou 20 minutes, ou une heure, nécessite des journées de travail, et que cela ne vient pas comme ça, de manière spontanée. Dans nos discours, si on appelle ça mot de circonstance lors de la prestation de serment, le bâtonnier s'évertue à leur dire, ne soyez pas sachant, soyez apprenant. Apprenez ce qu'est le métier, apprenez ce qu'est la modestie, le bon rapport avec les nés confrères, le bon rapport avec l'audience, le bon rapport avec le magistrat, le bon rapport avec l'argent, et surtout avec l'argent, le Dieu des dieux. Et nous ne manquons pas de leur dire encore, il faut laisser le temps au temps. Ne soyez pas pressés. Voulez-vous devenir de grands avocats? Mais le grand avocat, ce n'est pas celui qui fait montre d'opulence. C'est celui qui a la grandeur du cœur, l'humilité, le savoir éviter le mauvais exemple. Le bon avocat, c'est celui-là qui respecte les aînés, qui respecte le confrère, qui respecte la norme, surtout la norme. Parce que pour nous, la question de discipline, eh bien, c'est ce qui fait la vie de notre ordre.